Moi, j'ai retenu surtout la qualité des scénettes pour être quand même régulièrement amené à faire de la sensibilisation, pas forcément que handicap, mais voilà, un certain nombre d'actions de sensibilisation diversité. On fait quand même souvent appel à des procédés un petit peu originaux, en tout cas qui se veulent originaux. Et là, vraiment, moi, j'ai été très agréablement surprise par la qualité des scénettes et le réalisme par rapport aux situations de travail. Alors, réalisme, parce que d'abord, c'est tourné de manière très simple, très spontanée. C'est vraiment des choses qu'on peut vivre et qu'on peut entendre. C'est les mots qu'on entend en entreprise. Et la qualité, dans le sens où pour certaines scènes, on a vraiment l'impression de le vivre et d'être dans la pièce. C'est assez immersif. Pour la scénette sur le monsieur qui a un problème psy, j'avais envie de réagir, j'avais envie de parler, j'avais envie de dire quelque chose. C'est clairement les situations qu'on connaît au quotidien dans l'entreprise. Donc ça rappelle aussi que la discrimination ou la non-prise en compte, en tout cas de la différence, c'est pas forcément une volonté d'être discriminant ou de faire mal. Ça peut encore aussi arriver de manière très simple. Et je pense notamment au monsieur qui part plutôt pour suivre son traitement médical et pour lequel ses collègues constatent autour de la machine à café que la vie est tranquille pour lui, quoi. Vraiment, des très très bons retours de tous les collaborateurs présents. C'est du 100% réussi.